Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et nous savons que c'est l'unique Dieu qui nous a donné le souffle. Il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Nous n'avons pas un autre lieu où aller. Seulement chez lui qui est un lieu sûr. Christ et Jésus, en tant que Christ Jésus, retrouver la vie. Et c'est là que nous trouvons la vie. Alors, mon thème à eux quand on m'a toujours aimé. C'est pourquoi ton cœur soit attaché à lui. Mais la carte va encore pour moi la souminer les apolika. Et en lui, tu verras encore des choses plus grandes. Libanda naie pour Moïse. Hors de lui, il n'y a point de vie. Libanda naie puis Kimia Isaïe. Et hors de lui, il n'y a point de paix. Yedaza Kimia pour nous. C'est lui qui est notre paix. Que Dieu te bénisse. Ça n'est pas trop. Mettez Jésus sur ma route. La mort de Jésus. Nous prenons notre texte d'Apocalypse 2. Nous allons lire le verset 6 à 7. Nous allons lire le verset 6 et 7. Nous allons lire le verset 6 et 7. En lisant le nom de Jésus-Christ. Tu as pourtant ceci. La Sosaline ne croit pas, Emmanuel. C'est que tu es les œuvres de Nicolas. Les alliés de Nicolas. Œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Que Dieu bénisse les dieux. Ça ne vient pas pour la je rends grâce au Seigneur parce que sans lui nous ne pouvons rien faire. Hors de lui il n'y a point d'enseignant. Le véritable enseignant dans cette alliance, c'est le Christ Jésus. C'est pourquoi nous espérons toujours en lui pour la supervision, pour l'assistance. Et lorsque nous remarquons, nous voyons comment est-ce qu'il nous assiste. Nous hommes, il sera toujours nous rendons toujours les actions de grâce à Dieu. Et c'est tous ces livres. Et mingi pourquoi? Les livres des gestes. Beaucoup et moins des livres. Livres saints. Beaucoup et saints. Comme il m'a appelé la Bible. Oui, mes amis, beaucoup et belles. Et ça partout. Se retrouve partout même dans un magicien qu'on trouve là. Et même dans la maison d'un magicien tu peux le trouver. Même et pas il y a une science occulte, les gens des sciences occultes et les païens peuvent aussi avoir la Bible. Mais le Seigneur a bombé les salines dans ta compréhension. Parce qu'ils avaient abombé le Bible dans nos sous-sols. Après ces compréhensions dans notre union sur terre d'écriture. Il n'a pas donné la compréhension des écritures à tout le monde. Les sacrificateurs, les sacrificateurs avaient le rouleau, mais ils comprenaient de qui les prophètes parlaient. Ils lisaient le rouleau, mais ils ne comprenaient pas ce qui va s'appeler le bien-être. Ceux qui vont voir Jésus, si vous voyez Jésus, il a appelé le prince des démons. Il doit avoir le démon. Il s'est guéri à Saranamini, mon abbé, c'est un samaritain. À Saranamini, Samani. Mais pas qu'il ne peut adorer Dieu. Quand ils allaient adorer Dieu dans le temple. Dans le temps. Mais pas pour les cas, Dieu fait cher à Zanakatina. Mais ils pouvaient passer Dieu fait cher au milieu d'eux. Bazana rouleau, pas tout le temps. Ils avaient le rouleau et ils disaient. Et mon tatia qui babylon connaît en soi. Mais c'est lui qui avait donné toutes ces choses à vos prophètes. Yéwana Bazan méprisé. C'était lui qui le méprisait parmi eux. Pour la course sur les Akamoulans. Pour comprendre la parole, c'est la grâce de Dieu.
Et c'est pourquoi la parole de Dieu par envie. C'est pourquoi il ne faut pas être du rang de ceux qui parlent de la parole par envie. Donc, on a le orgueil, par exemple. Donc, de se montrer ou de paraître devant les gens. Mais il faut avoir une nécessité. Essayer de s'adapter. Parce qu'avant que ces choses nous parviennent, et c'est là que les dieux esprits apprennent le corps, et cela veut demander qu'ils s'appellent à dire aux autres qu'ils puissent consentir la mort au mot parole, afin que la parole traverse vers nous. Les paroles de Christ, les paroles de Christ qu'il avait donné au prophète pour que toi tu le puisses faire un sacrifice. Et cela veut demander un sacrifice. Pas n'importe quel sacrifice. Mais ta nuance était de Dieu grand. Samé au monnaie. Il avait consenti le moquer. Il avait consenti les frappes des hommes. Afin que nous puissions avoir la parole. Alors, pourquoi ne mépriser jamais la parole? Alors, tu ne peux jamais mépriser la parole de Dieu. La parole est une puissance. Mais le message est une l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Ça vous m'a dit que nous pour la moto. Nous sommes allés continuer. Pour les Grecs d'abord et pour les Juifs aussi. Pour la Mayuda et pour la Mayuda. Donc, considère vraiment la parole. Au même pétal, il m'a dit que ça dit. Puissance et autorité. Et puis qu'on méprisait la beauté. Et puis il ne faut pas mépriser la parole. Il y a un nez pour sauver. Et c'est cette parole qui va te sauver. La vie terrestre prendra fin. Tu vas l'abandonner si le Seigneur vient. Nous allons tous mourir. Nous allons entendre aussi notre salaire. Mais Seigneur, il faut déjà se préparer ma âme pour rencontrer ton Seigneur. Mais il faut déjà bien te préparer à la rencontre du Seigneur. Ta vie est vraiment une vie qui reflète sa divinité. Ma vertu de Dieu. Oui, c'est manifesté aussi dans ta vie. Parce que cette chair est la terre, est la poussière. Oui, tes souliers, ils pour tout nous, ils allaient m'appeler. Il faut que ton âme. Le Seigneur est témoin et il sera nourri par la parole. Il est s'amandé dans le Mazambé. L'ennemi a conservé la vie dans son monde. Que l'ennemi ne te trompe pas par toute la vie mondaine. Je crois fermement. Dans ce sou qui s'amapéta. Que sur 100 personnes. Que n'a pas tout comme au besoin de la parole. Qui suivent la parole. Les aura toujours manqué. Quel est tout ça? Il y a toujours un petit nombre qui obéit à la parole. Mais apparemment, au moment de notre union. Mais apparemment, tu pourrais remarquer que tout le monde. Et c'est ce que même quand Paul a écouté la parole en acte 13, et c'est exactement quand Paul prêchait la parole dans les actes 13, dans verset 48, tiens, au verset 48, l'écriture de Dieu a une solution. L'écriture de Dieu nous dit ceci. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle criait. Et là, verset 48, le verset 48 des actes 13. Donc, tous les païens se réjouissaient vraiment. Mais ce n'est pas et tous qui avaient cru à cette parole. Donc la parole est toujours ainsi. Maintenant, toi, tu vas être dans le rang de ceux qui croient. Et ce n'est pas que tu te réjouissais non de la parole. Mais mettre en pratique. Sois du côté de ceux-là qui mettent la parole en pratique. Nous avons et là, tu es un homme heureux. Que tu dises que le Seigneur, tu m'as fait grâce. Que je puisse pratiquer ce que tu me recommandes. Et c'est ça ma prière. Que vivre ce que la parole de Dieu a déclaré. Que tu vives ce que déclare la parole de Dieu. Oui, sa parole t'est et femme dans la quatrième. Ce qui n'est pas la parole ne puisse pas habiter en toi. La quatrième écriture, dans les écritures que nous venons de lire,
Les versets 6 et 7 d'Apocalypse chapitre 2. Le verset 6 et 7 d'Apocalypse 2. Na église à Éphèse. Dans l'église d'Éphèse. Tous les talis d'abord. Nous montrons d'abord bien aimé. Le lego tout en voilà qui l'obit par la grâce de Dieu. La manière dont nous avions marché hier par la grâce du Seigneur. Tout talis à qui que. On avait montré. Quand l'incrédulité. Lorsqu'il y a l'incrédulité. Et que Moutouazoumouya ou bien peuple Moukouazoumouya causera une bonne position en parole. Et qu'un peuple refuse de prendre la bonne position de la parole. Le Seigneur appelle l'église locale comme ça aussi comme champ de Dieu. Zambé Abéga Kaïtouna Pébou et Moukou et Péloumouya. Mais Nakatinango, il y a le chandelier. Et dans le chandelier, il y a encore un autre chandelier. Nous avons expliqué chandelier où ils avaient Nakatia chandelier appelé l'église. C'est pourquoi on expliquait les chandeliers dans un autre chandelier qui est l'église. Chandelier voilà. Et ces chandeliers-là, ceux qui résistance, il y a parole, les amis. S'il y a la résistance, il y a la parole. Chandelier, ça va être un chandelier, le Seigneur a Zogamwa, le Mouya. Le Seigneur ôte le chandelier qui est dans un autre chandelier. Il y a votre moyen de comprendre en votre vie. Et c'est ce qu'on voulait bien comprendre. Tout à l'heure, qui voulait que. On avait montré ceci. Toujours qui texte l'Apocalypse chapitre 1er. On avait pris les textes de l'Apocalypse chapitre 1er. Toujours on a qu'on a Jean. Là-bas nous voyons le frère Jean. Azota Lisa, la grâce de Dieu, le Lévi Seigneuri, et Pessamana, cette église. Là-bas Jean montre comment la grâce de Dieu doit être donnée aux sept églises. Mais Azoto Banani, Azoto Pessa, grâce à nous, la carte à cette église. Maintenant il nous parle de qui est-ce qui donne cette grâce aux sept églises. Totalement encore au nom de Jésus-Christ. Nous les réalisons au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 4e, à partir du verset 4, Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, Jean aux sept églises qui sont en Asie. Yohani na l'église à Sapoesa na Mbokazi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Donc, il y a un tout le monde qui il y a celui qui donne la grâce et la paix. Azopes à vous les sept églises. Et cette personne les donne aux sept églises. Maintenant, Azotang a mis ça à Moutouana ou à Pesaka qui mient à l'église. Maintenant, on cite les attributs de cette personne qui donne la paix et la grâce aux églises. Baroumi d'abord, vous soyez donné de la part de celui qui est. Et puis ça me l'a vu, non, où t'as la moto à Zali. Oui, 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 à Zali. Nous savons celui qui est. Qui était et qui vient. Oui, à Zala, t'as la paix à Kouya. Yéwana, à Zosa, la mention, t'as la mona qui, avec qui se manifestait par Jean. Et Jean fait mention de lui quand il était venu se manifester à lui. Son contraire à partir du verset 16e, à partir du 18e. Les versets 16 jusqu'à 18. Toujours Apocalypse 1. Toujours Apocalypse 1. Azo s'est présenté. Il s'est présenté. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Zalikolo Jésus Christ. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Oyo Azali, Azalaka, Pé Azalikoya. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Donc sept esprits les a devant les trônes. Milimo sabwe sali mosher kwende eyaka epesi grâce na cette église. Et c'est cet esprit vient apporter la grâce et la paix aux sept églises. Là, on est au temps où la Kenango. Et c'est cet endroit-là qu'on avait marché. Mais d'abord, nous allons continuer la lecture. Et d'abord, je continue la lecture. Et de la part de Jésus-Christ. Outa na Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Zengeneke a sebo. Nathalie Saki Awawa. J'avais montré ici, bien. On a utilisé Jean 3, verset 11. J'avais utilisé Jean 3, le verset 11. On a le Seigneur Jésus-Christ à Zoyebissa Nicodème. Là-bas, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à Nicodème. Nous disons ce que nous savons. Bisso et Bélé Tolobaka Oyotouye. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Bisso et Bélé Tolobaka Oyotouye. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Mais j'y ai un bozo et à ma tête, il t'a tourné la vie.
Là, on a vu Jean 3, verset 11. Là, on avait lu Jean 3, le verset 11. Donc, témoin d'abord. Donc, celui qu'on appelle d'abord un témoin, les prophètes. Les animaux sacrés. Donc, un prophète, nous dans tout le prophète, aux yeux Moïse. Vous prenez Moïse, aux yeux Josué. Vous prenez Josué, aux yeux Samuel. Vous prenez Samuel, aux yeux David. Vous prenez David. Tout ça. Vous prenez tous les prophètes de l'ancienne alliance. Ce sont des témoins. Azali, Jésus a compté dans Jean 3, 11. Et Jésus avait compté dans Jean 3, 11. Adam, lui qui est venu en Israël. Toujours dans Jean 3, 11. Mais toujours dans Jean 3, 11. Ça veut dire nous rendons témoignage. Il saute aux amis, saute aux mots. Donc c'est que Babounion soit un passant. Cela veut dire que tout c'était du témoin. Même à Oyo, basant ta nouvelle alliance, même ceux-là qui sont dans le temps du nouvel, c'est la science de témoin. Basalita Kabatzéde. Même au toi, à soi qui livre l'Apocalypse. Mais celui qui avait reçu le livre de la révélation, Jean, à soi, lui, sa sept églises, Nios. Il s'adresse à toutes les sept églises. À nous dire les témoins fidèles. Nzengene qui a sept mots. Ils en aient Jésus. C'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a se présenté aussi comme les prophètes pour les sept églises. Donc Jésus-Christ a dit que bel et mappé, le col à Moussa, pour les bonnes à l'église, à nous, c'est ça. Témoin fidèle. Il y a un bon intérêt qui est assez. Dans le bas qui langage, oyoyo, j'avais dit que c'est langage. Hébreu 3, verset 2e, et nous bénir. Hébreu 3, le verset 2, on en parlait. Parce que Jésus-Christ a été aussi comme Moïse. Et Jésus-Christ a aussi pour ombre Moïse. Tout à l'heure qui est Hébreu 3, maman le Banangaï. On avait parlé de Hébreu 3 dans mon exposé. Jésus qui a été fidèle. Jésus qui a été fidèle. À celui qui l'a établi. Comme les fit Moïse dans toute sa maison. Le légume commence à Zaraka dans la toile. Moïse a été élevé. Moïse était le signe. Il y a témoin fidèle. Il y a un témoin qui est assez beau. Mais le vrai témoin fidèle, c'est un témoin qui est assez beau. Il y a seul. C'est Jésus-Christ. Les alliés Jésus-Christ. Il y a le Hébreu 3, ils ont le et c'est ce que nous dit Hébreu chapitre 3. Donc, Jean, attends ici, nous sommes maintenant. Jean nous a montré que les prophètes, Moussa Koudou, dans l'église d'Éphèse, dans l'église d'Éphèse, dans Smyrne, dans Pergame, à Pergame, dans Tiati, dans Sardes, à Sardes, dans Philadelphie, dans Laodicée, dans l'église de Laodicée, où il a trouvé sa grâce. Celui qui donne la grâce, c'est Jésus-Christ. Ésaïe Jésus-Christ. Là, c'est celui qui a réussi l'Apocalypse dans le monde. C'est ça la mention d'un témoin fidèle. Béni aussi les premiers nés des morts. Écriture, oui. Cette écriture, portion, oui, un nés des morts. Cette portion de l'écriture, à résurrection à Jésus, ça a qui tout une naissance. Nous confirmons que les séquoyés, ce sera qui monta à Moubima. Il y a aussi Paul a prêché qui même en acte 13. Et c'est ce que Paul avait prêché dans les actes 13. Azon, bien sûr, les grâces de David. Azaki Kolobi Abangolo, on s'en va à Saki. Là, au Tangi, à partir du verset 31 à 33, il y a acte 13. Là, en lisant à partir du verset 31 jusqu'à 33. On entend Azon, de la résurrection de Christ. Et là, lorsqu'il parlait de la résurrection de Christ, à lui, écriture et s'accomplir dans l'air Jésus aussi pour les écritures. Il dit quelle est l'écriture qui s'accomplit lors de la résurrection. Maltangi psaume deuxième. Il a lu psaume chapitre 2. Écriture psaume deuxième. L'écriture de psaume 2. Les hommes m'a tué mon fils. Vous avez moi en l'air au bas. J'étais engendré au jour. Alors, Paul a le dit. Alors, Paul le dit. Acte 13. Dans les actes 13. Vous allez partir du verset 31 à 33. À partir du verset 31 jusqu'à 33. Azo parle ça clairement. Il montre clairement que l'écriture ou l'air psaume 2 de Christ où Jésus a dit. Et cette écriture de psaume 2 s'est accomplie à la sortie de Jésus-Christ. J'étais engendré au jour.
Donc la résurrection de Jésus parle d'une naissance. La façon dont Paul a prêché, le lendemain Paul a dit, il y a même Jean a prêché. C'est la même chose que Jean a prêché. Donc Jean a dit premier né des morts. Mon c'est mon potami a yamukati yawa. C'est Christ. Dans le premier né d'entre les morts, c'est le Christ Jésus. Grâce dans cette église. C'est le même qui apporte la grâce à cette église. Ma béni est le prince des rois de la terre. Béni est mon conti, ma conti, ma béni. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Béa, car on a mis sur la massoure, on a mis sur la terre, ma qui l'a. Délivrance, il y a péché, et ça, quand on a combo, manque. La délivrance du péché n'est qu'en est seul. Non, au nom du Seigneur Jésus. Na combo ya kolo Yesu Kristo. Yewana dazali on dit les sept esprits de Dieu. C'est lui Jésus-Christ dazali milimo samoya. Amen. Pourtant ici qui est écriture pour comprendre en mot au temps de la écriture. Maintenant on avait montré que pour comprendre une écriture tu dois lire. Yewana on dit les sept esprits de Dieu où les uns devant les trônes. Milimo samoya nzambe zali mo samoya. Ils ont fait sa grâce dans cette église. Donne la grâce pour cette église. Or, ce qu'on a le livre d'abord, il y a Tite. Or, en observant le livre de Tite, la Tite, l'écriture, les yeux du service au courrier. Dans la lettre à Tite, l'écriture nous dit ceci. Et le B, dans une Tite, chapitre 1er d'abord. Tite, chapitre 1er. L'écriture, les yeux du courrier. L'écriture dit ceci. Et Zota et service d'abord. Que la grâce de Dieu est évoluée en santé. Tite 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu est évoluée en santé. Source de salut pour tous les hommes. Timaïlubiko pour la patronnière. Na écriture. Dans cette écriture. Il ne faut comprendre rien. Tu vas comprendre maintenant. Moïse a dit qu'à temps où Jésus a dit. Que Moïse était sauvé lors de la venue du Christ. Donc grâce est sa source et sa salut pour tous les hommes. Parce que Moïse a oufa incrédule. Il était mort incrédule. A désobéi. Il avait désobéi. Le Seigneur avait essayé qu'il y ait beaucoup. Le Seigneur lui avait dit, toi et Aaron, vous n'entrerez pas. Parce que vous sanctifiez comme moi. Parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. Qui vous semble les mains. Le Seigneur a refusé. Et lui-même Moïse le rappela à Israël avant sa mort. Mais à ta, Oufaki, même si j'étais mort pour le péché, le Seigneur a boycotté Israël. Le Seigneur avait refusé de le mort. Mais la grâce est une source de salut. La singolou des alitimaïlobiko a reçu salut en Jésus-Christ. Et il a reçu le salut en Jésus-Christ. Pour ma vie, n'a pas mon nom, soit les alitikaka comme. Modèle comme image. Parce que toute leur vie n'était que comme un modèle ou une image. C'était Dieu qui a couvert les noirs. Et ça là qu'il tombe et qu'il a couvert vos pauvres à la élévopante et sa lèvre à Christ. Pour être le signe de l'œuvre du Christ. Jésus-Christ en réalité. Jésus-Christ en amoussol. Azameti Ruben. Il est comme Ruben, le fils de Jacob. Moi, n'a l'amoussol. Le premier-né de Jacob. Mais Asani et Loko et Miminetti. Papa, c'est vérité. Il a fait une chose qui a paru comme déplaire au Père. Apotolie qui m'entend. Le Père lui a ravi la prééminence. 1 Chronique 5, maintenant, il le dit. 1 Chronique 5, maintenant, dit ceci. Et on va bouiller. Dit ceci, bien. Dans le verset 2e. Le verset 2. 1 Chronique, chapitre 5e. L'Écriture, les yeux, il s'est mis au bouiller. L'Écriture nous dit ceci, bien. Dans 1 Chronique, chapitre 5. Partie du verset 1. J'ai le nom de Jésus-Christ. Fils de Ruben. 1 Chronique 5, verset 1er et 2e. Premier-né d'Israël. Car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fit donner au fils de Joseph. Fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dit pas être enregistré dans les généalogies
comprenez-moi. Judas fit à la vérité, puissant parmi ses frères. Et de lui est ici un prince. Mais les droits de naissance est à Joseph. Si tu vois Joseph, c'est Manassé Ephraïm. Les droits de naissance sont à Manassé Ephraïm. Maintenant, comment les droits de naissance sont parvenus au fils de Joseph? Parce qu'on lui avait ravi à Ruben. Donc Ruben qui est le premier né, Ruben doit salir moi là. Le Seigneur qui premier né au sein du colonel, il fallait que le droit de naissance qui était sur lui et qui n'est pas dans mon colonel puisse être transféré aîné, parce qu'il était l'aîné. Ephraïm a salir moi là. Et Ephraïm c'est notre image. Mais bisognons se posa pour premier. Mais nous tous nous sommes des premiers. Mais chacun à son temps. Parce que montons là. Premiers. Il y a des gens qui peuvent présenter l'examen d'état. Combien ont réussi 100%? Ils ont fait 100%. Dernier, normalement, du pourcentage. Et quel est le pourcentage du dernier parmi eux? Ah, on a parfois 50. Il pourrait parfois avoir 50. A échoué. Il n'a pas échoué. Dernier. Il est dernier de réussir. Parmi ceux-là qui ont réussi. C'est extrêmement tout le monde. Hein? C'est extrêmement nouveau. Dans Balobi, les premiers, c'est nous les derniers. Alors, mais là, par rapport au temps. On parle par rapport au temps. Les loups ont bissot pour dévancer Israël. Aujourd'hui, nous avons dévancé. Et Israël aussi a la prééminence. Israël aussi a la prééminence des droits de l'homme. Et cela sera son temps pour le Seigneur. Joseph. C'est pourquoi tout le deux fils de Joseph avait reçu la prééminence provenant de Ruben. Ruben a sa mémoire à Christ. Et c'est Ruben, c'est l'image du Christ qui était frappé à la croix, comment qui péché. Oui, à Bétama qui les coulous, soit comment qui les souffre, à comment qui comme malédiction. Il était devenu à donner aux deux fils de Joseph. Que Dieu bénisse. Amen. Au mot, la wana yamoune pour son monde à l'onégoïe. Dieu a frappé Moïse. Et ravir les droits de naissance, c'est ça la frappe de Dieu sur Moïse. Donc, attends ici que le Seigneur n'entrera pas. Mais c'est comme nous voyons le Christ. Et c'est comme nous voyons le Christ. Alors, mon père, pourquoi m'a-t-il? Il a été frappé de Dieu. Afin que nous, aujourd'hui, nous soyons agréés de Dieu. Maintenant, ici, nous observons comme ça. Moïse, qui était le signe, il y a fidélité, un témoin fidèle. Le signe, il y a Zengenekea. C'est un témoin fidèle, c'est Christ. Zengenekea, c'est moi, sans les amis de Christ. Nous avons insisté, le lien frère Jean T. J'insiste, c'est la manière dont frère Jean, Seigneur. Azota, il s'est qu'il y a des témoins fidèles, qui a compris sa grâce dans cette église, c'est Jésus-Christ. Il montre que le témoin fidèle qui va donner la grâce à cette église, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça, l'apôtre Matthieu. C'est comme ça que les apôtres ont prêché. Donc, les prophètes de l'église, bah, mon savoir l'église, c'est Jésus. Mes amis, Jésus. C'est ce que Jean a prêché. Et c'est ce qu'a prêché Jean l'apôtre. Et un de ces témoins fidèles n'a donné sa grâce à cette église. Et c'est ce témoin fidèle qui donne la grâce à toutes les sept églises. Et ce témoin fidèle, il est pourquoi comme les sept esprits où les amis devant son trône. Et c'est lui-même qui est comme il dit mon sang, les amis, ils vont s'embêter. Donc, tant Bazon va devant son trône, lorsqu'on parle de devant le trône, à ce métakaïe, mon service naïe. Il se met lui-même à son propre service. Il y a un autre personne qui écriture dans Apocalypse 4. C'est pourquoi on avait donné l'écriture d'Apocalypse 4. Totalement qui verset 5. On avait lu le verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Maintenant, dans la suite, il y a cette écriture, il y a Apocalypse 4, verset 5. Devant le trône brillent sept lampes ardentes. Qui sont les sept esprits de Dieu? Sept esprits de Dieu, il y a un bon de Jean Lobeli en Apocalypse chapitre 1. Et c'est de ça que Jean parlait dans Apocalypse 1.
Ils ont fait sa grâce pour la sept églises. Qui donne la grâce pour toutes les sept églises. Mais c'est cet esprit ça devant le trône, il y a mon les amis, sept lampes. Et c'est cet esprit, c'est ça les sept lampes ardentes. L'église est ça aussi chandelier. L'église est alipée par le mouine. Maintenant, tout le temps, la sept lampes pour lui. Mais lorsque nous observons ces sept lampes, les amis, sept esprits de Dieu, les amis, qui vivent au sang et à ta belle, qui doit comprendre maintenant. Et l'obéir la Bible sur lampe. On a cherché à comprendre le langage de la Bible suite sur la lampe. D'autant que Matthieu 6. On avait lu Matthieu chapitre 6. Verset 22. Au verset 22. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire comme on est sur Christ. L'œil est la lampe du corps. L'isso est salimoui. Si ton œil est en bon état, ce qui lit son œil aux animaux, tout ton corps sera éclairé. Jésus-Christ a défini, Jésus-Christ a défini pour nous que lampe est un sac à l'œil. Et que Mouinda est allé de l'isso. Donc l'œil est la lampe du corps. Et que l'isso est allé Mouinda. Donc tant aux années qui avons en Apocalypse chapitre 4, verset 5. Lorsque nous étions ici dans Apocalypse 4, verset 5. Tant aux hommes, lorsque nous voyons cet esprit de Dieu, nous vivons sans mot et en tambour, qui sont les sept lampes, où ils arrivent à mettre ensemble, couper la mort. Donc c'est qu'ils ont sept yeux. Et ils arrivent à mettre sur des sambos. Mais le roi est un monde, ils ont fait sa grâce dans cette église. Maintenant, comme ce sont ces lampes qui donnent la grâce à cette église, où ils arrivent aussi. Mis sous sa mort et qui sont aussi sept yeux, Toyaki au monde à Yango dans Zacharie 3. On était allé le voir dans Zacharie chapitre 3. Il faut aussi marquer l'enseignement. Il faut saisir l'enseignement. Je fais cette marche pour maîtriser l'enseignement. Dans Zacharie 3, dans Zacharie chapitre 3, on termine à verset 9. Bien. Tu regardes au verset 9. Car voici, oui, t'étale. On dit son nom. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placé devant Josué. Il y a sept yeux. Dans un autre langage, sept lampes. D'après Matthieu 6, verset 22. Il y a sept yeux. Il y a sept seules pierres. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Et cette prophétie s'accomplira dans la suite du temps. Après enlèvement, si ce soit pour persévérer jusqu'à la fin. Si ma linée ton habit sur celui de qui pique au qui nous a gardé la foi et que ton bâtiment conduit ma linée, c'est une prophétie qui s'accomplira en faveur d'Israël. Parce que tant qu'on va présenter le souverain sacrificateur, parce que lorsqu'on a présenté le souverain sacrificateur, dans une définition souverain sacrificateur, ouais. Où est-ce que nous prenons la définition du souverain sacrificateur? Psaume 133. Dans Psaume 133. Il est tout au frère de demeurer ensemble. Les amis, mon polo, pour la bande de combats, ça les comme l'ensemble de tous les frères. Donc, les salaires à la bande de combats, c'est comme de l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Les amis, mon polo, ma foule, ta coquille, ta moutouille, Aaron. Tous les frères, la bande de combats, c'est là la souveraine sacrificateur. Les amis, les gens, la bande de combats, donc, il y a beaucoup de remarques là, on pourrait parler de la peuple et on se fait. Tu vas demander ici, on voulait parler de toute l'assemblée. Mais au moment, on va présenter Josué les souverains. Mais on a présenté Yoshua dans l'assemblée. Dans les Bissas. Avec des vêtements sales. Bon, les avantages, c'est pour le peuple. Or, c'est Josué représenter tout le peuple d'Israël. Qui Dieu bénisse. Amen. Donc, le souverain, c'est comme le frère qui demeure ensemble. Dans la table, on est les aïeux pour la bande de Kobazali pour faire des six camions qu'on a ensemble. Et tant au temps qu'il y a Zacharie 3, le verset 9, et en lisant Zacharie 3, le verset 9, tout le monde dit Banga Mouezan a mis sous sang. On a vu une pierre qui a sept yeux. Libanga Mouezan a mis sous sang. Et cette pierre a sept yeux. Jésus a posé une question dans Matthieu 7. Jésus avait posé la question dans Matthieu 7, dans verset 13. Au verset 13. Les habitants de Césarée qui dit donc que je suis. Ils ont commencé à répondre. Ma disciple
Les disciples répondaient comme les habitants de Césarée pensaient. Et Jésus a posé ma question. Et Jésus leur a posé la question. Et vous, Casipino, Maman va répondre, Pierre. Et Pierre a répondu, Dieu le Christ. Vous avez Christ, les fils du Dieu vivant. Vous voyez donc toutes choses. Je vais faire entrer une parenthèse. En toute chose, tu dois désirer savoir le mouvement du début jusqu'à la fin. Vous voyez, si tu prends la chose qui est dite dans Jean 21, le mouvement de Jean 21 commence la nuit. Il y a 7 disciples dans le mouvement. Et ça dit là-bas, il y a Jean 21. Avant d'arriver dans 153 poissons comme tu. Moi, mais ça n'a pas passé sur le terreau. Ils ont monté, ils ont été gravés dans le terreau. Ils ont faux enseignement. Au moins, on a été. Vous voyez, c'est pitoyable en prêchant les choses qui sont gravées en toi et qui ne te font pas voir le Seigneur. Et ça va être c'est comme une blague. Au coup, finalement, l'enseignement. Tu mets avec les faux enseignements. Tu ne verras pas le Seigneur. Nous allons écrire réponse en repose-toi en paix. Paie-moi dans la Kenya. Mais si vous êtes mon terme en paix. Mais si tu étais un faux serviteur. Oh, comment on en paix. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus. C'est ça, besoin de Koyoka, diversité de grâce. Il y a un monde qui tombe à Koyoka, va mourir qui se va. Aïe, mais ça qui est Timothée, veille sur toi. Il y a Timothée, c'est que j'ai la Nicolas, il y a un père qui l'a dit. Et ça pour se sauver, il y a un monde. Et ça pour Mimi qui s'a eu mon corps. Et donc, oui, Timothée va s'aimer ma mère. Si Timothée. Oh, comment on s'en mettait? Si Timothée enseigne mal, lui-même ne verra pas le Seigneur. Amen. Ah, besoin vraiment ma casse. Il a vraiment besoin. Il y a Miloko et Anzoto. Avant, il en a avec plus de soins. Les choses charnelles et terrestres qu'il poursuit avec plus de soins. Elle est passée par ton revient. Donc, dépasser la. Cirer les chaussures au mal. Il faut bien cirer cette chaussure. Mais veillez bien l'enseignement, ils en avaient soigné. Mais il faut aussi veiller à l'enseignement qu'il soit soigné, bien aimé. Mais c'est très important l'enseignement. Les amis vont tout y avoir qu'à ce qu'il y a ici. Parce que Dieu a mis les salis dans l'enseignement. Oui, tu es amené à tirer au pic qu'on a mis là. Chemin où soit salé à la cathèque. Il n'y a pas un autre chemin. Des enseignements. Les amis, t'as qu'à mis là ici. Paul a. Il avait livré les gens à Satan. Pour battre un enseignement dans la mort au Mambi. Parce qu'ils avaient mal prêché un seul enseignement. C'est la résurrection. Dans l'établi, c'est quoi, Vincent? D'abord, Yambo. Basalé, côté un dénigrement qu'on a Pierre, la résurrection est vraie. Il prêchait même avec Paul de ce que la résurrection était une vérité. Place Mimi, Bawana, Basalé, Guéré. Maintenant, où est-ce que les autres avaient commis une erreur? Bah, placé Yambo. Ils l'ont mal placé dans le temps d'accomplissement. Bamidi, et si instantanément les ressources sont soutenues. La résurrection de ça a été déjà accomplie, il n'y a plus d'autre résurrection. Alors, je les ai livrés à Satan. Alors, il n'a pas qu'à la polybane dans la maman. La salité à mon à cause d'un seul enseignement. Mais Balete, mon corps, et non de un seul. Pour les amis qui ont emporté par ton sou. Parce que c'est mauvais enseignement et garé. Enseignement, parce que on ne blague pas avec l'enseignement. C'est pourquoi dans ta vie, mon frère. C'est pourquoi dans ta vie, bien-aimée, il a qui c'est pour ça. Tu ne dois pas blaguer avec l'enseignement. Moi, je ne vois pas dans un monté. Vous voyez, tel que je suis à son qu'on a évité d'un côté. La chose que je ne connais pas, je ne veux pas non plus. Parce que parcours n'a pas une nécessité. Parce que mon parcours n'a pas encore cessé. Le Seigneur a émis ça qui. Paul. Le Seigneur a dit à Paul. N'a bimé l'io. J'étais ta parole. N'a établi l'io témoin. N'a tiré un tel de la bimé déjà sur moi. Des choses que tu as déjà vues. Et n'a oyo n'a koya ko bimé la kayo ni sous. Et des choses pour lesquelles je t'apparais très dans la suite. Alors, qui est que à vos personnes, il nous sera suite. Le Seigneur avait promis de lui donner d'autres choses à la suite. Ce qui Paul a se précipité. Si Paul venait à se précipiter, il n'a pas le temps de la pécier d'athée. Il prêche des choses que le Seigneur ne lui a pas encore données. À côté, il va prêcher avec des erreurs. Parce qu'il faut que ceux qui avancent avec les vendeurs les apprécient à peine. Parce que tu dois savoir qu'Aaron fit un vendeur à cause de la pression du peuple.
Donc mon père, il faut garder comme un air maillot. Un serviteur doit garder ses émotions. C'est parce que mon père nous avons dans la chair à hauteur. Parce qu'un serviteur peut être. Alors il est déjà ça. Il écoute déjà la nouvelle. Ça n'a ni quoi assez. Ah, ça n'a assez. Il est dans un niveau très bas. Maintenant, il écoute cela. Pasteur. On a dit tu y es. Maintenant, dans le culte prochain, il vient avec décision. Il veut prouver qu'il est aussi dans un niveau élevé. Maintenant, s'il veut pécher, pour prouver. Donc, c'est pour prouver les gens. Il va trébucher. Il va mal prêcher la parole de Dieu. Et là, il est en train de blaguer avec son propre salut. Donc, dans la vie, d'abord, il faut être très constant. Et là, on appelle ça à tout serviteur dédié des grâces excellentes. Et c'est que le Seigneur donne à tout serviteur des amis pour lui. Même l'enseignement de Jean 3.16. Même l'enseignement de Jean 3.16. Car dit à temps humainement. Il a donné son fils. Appelez-moi à l'ami qu'il a. Azopes enseignement et qui dispense cet enseignement. Vraiment avec plus de respect. Je vais le suivre avec beaucoup d'attention. Azan enseignement sur le baptême au nom de Jésus. Il tient un enseignement sur le baptême de Jésus. Et ça, ils ont sanctifié tant que les amis bien enseignés. Cet enseignement sanctifie lorsqu'il est bien enseigné. Et ça, l'important est au type à titre éliminé, éliminé. C'est le moins important de mettre des gros termes. Les amis, les tignes sans eau. Les amis, le grand baptême, ça va. Là, et ça vide, donc vide, c'est pas bon. Et ça m'a monté. Oui, au moins, on a monté, nous avons une amie. Vous allez voir un autre serviteur dans un milieu. À côté, qu'est-ce que je pourrais prêcher ici? Est-ce que vous avez déjà prêché les sélections? Oui, si bataille. Si bataille, on a déjà prêché. À côté, qu'est-ce que je vais prêcher? Si bataille, vous avez un petit bagage. Vous avez déjà prêché comme vous avez touché l'arche. Si bataille. Déjà, on a déjà prêché. Qu'est-ce que je vais prêcher? J'ai vu des gens de moi. Vous avez prêché les gens de moi? Oui. C'est comme si avant on était en été maintenant la théité. C'est comme si on a prêché ce qu'on n'a pas encore prêché dans l'église. Mon Dieu nous a été dans la grâce, Maïs. Chacun presse à la mesure de sa vie. Mon Dieu nous a été à cette église. La manière dont je prêche dans cette église. Mon Dieu nous a été à convaincre que ma tape est dans l'église de verre. Et notre serviteur peut être convaincu de Dieu de prêcher. Pourquoi y a peu pour le carré? Il y a moi encore de prêcher sur l'église de verre. Exactement, ma terre qui a mis le cœur dans sa vie. L'enseignant monté. Donc nous pouvons en attendre inspirer. Dieu peut inspirer quelqu'un. On travaille dans la mesure de la grâce. Tu travailles selon la mesure de ta grâce. Mais nous sommes pas sur le même papa. Qui s'est lié du souci? Mais rien d'autre, le Seigneur lui ajoute davantage. Quand on a atteint cette église, il vient prêcher de cette église. Non, on a atteint qui n'a bénéficié du tout. Et moi qui l'avais précédé sur cet enseignement, je vais. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il a monté mon salaire, mon livre, mon sang qui m'a tombé. Nous ne limitons pas l'enseignement en nous-mêmes. Mais ton veille à côté, selon la grâce que Dieu nous a donnée. Nous veillons à prêcher selon la grâce que Dieu nous a donnée. C'est très important. Et ça vaut tout à ma grâce. Il peut y avoir un endroit. On avait déjà prêché sur tel. Sur tel, tel. Le côté humain, tel. Et quand tu prêches le même tel. Zambati, si tu sens le Seigneur te pousser à prêcher le même thème. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Mais tu ne sais pas le banabalonné que de plusieurs. Mais tu n'as pas parlé la campagne. Qui est le plan? Vous avez abandonné la campagne. Et ça, c'est très important. Et ça dit mon Dieu à ma casse. Donc, c'est que. C'est-à-dire. Sont conçus le texte à Jean 21. En prenant le texte de Jean 21. Et pendant un moment. Cela avait commencé la nuit. Bazo pêché dans le tout. Il faisait la pêche pendant la nuit. Bazo et le côté. Il n'avait rien précisé. Avant que le maître arrive sur 153, expliquez dans le bouton exactement. Avant d'aller dans 153 poissons, va d'abord expliquer la nuit où il n'avait rien reçu. Plaçons-moi dans le temps prophétique. Place cette nuit-là dans les temps des événements. Nuit au yo. La nuit à laquelle. À ta poisson, mon goût, ils ont amité. Où aucun poisson n'était pêché dans la mer. C'est comme ça, ma terre. Les amours ont débattu à nous, ma terre. Maintenant, tant qu'on est à Tongo. Maintenant, lorsque le matin est venu, Jésus a parlé. Jésus a abîmé l'imam. Vous avez mis le texte à vous, vous voyez, la semaine. Mais vous avez dit, avec le moment, 153 poissons. 153. Ça, c'est quoi? Et ça dit. Banana, vous expliquez pourquoi.
Commence d'abord à expliquer pourquoi il y a une première nue. Parce que comprendre que le boutou est par rapport au lege Adam. Tu vas comprendre que cette nuit c'était par rapport à la chute d'Adam. Un seul a soukaki, comme un seul avait péché. La condamnation est quoi ici? Tous les hommes. Et tout étant là, il va te mener. Abenana Adam au soir. Le Seigneur avait chassé Adam au soir naturel. Et il a chassé comme la nuit. Dans boutou et kotaki. Et Esaïe 21, le 8 sentinelle, que dit-il de la nuit? Le Seigneur, le 8 il a dit ma boutou. Alors, le matin vient. Nous tombons les amis. Donc, les amis, il est lui. Les amis, la boutou. Oyo, yo, converti à la terre. Oui, il n'y avait pas de convertis dans le poisson de la mer. Non, il n'y avait pas. Donc, ils ont d'abord la nuit de lui. Les amis, la boutou, converti à la terre. Il n'y a pas de convertis. Mais les gens travaillent. Parce que tu vas être pour ça, là, pour ça. Mais là, arrivé le matin, tout le Seigneur a eu ça, le programme, il y a sacrifice. Ça fait que ça, la maman, il s'y a fait. À mon avis, il y a un moto. On l'a vu avec du poisson. Jésus l'a envoyé à la maman qui n'a rien qui pour le baptême des fées. J'étais venu pour le baptême. Au temps, mon ami, lorsque vous me voyez, je suis venu pour le feu. Mais t'as envoyé pour la moto. Lorsqu'il est venu pour ses feux, c'est lui le matin. Ça veut dire qu'il est venu. Mais il faut utiliser le poisson. Et ce gars-là, c'est la mise. Parce que le moto normal, ce qu'on continue avec un maille. Parce que l'homme normal, à la toile, sans les locaux, ils ont protégé. Il faut une fois. Sans rien qui les protège, il va mourir. Mais tu es au moins dans Jonas, à continuer un maille, poisson à bombi. Et nous avons vu Jonas entrer dans la mer et les poissons l'ont caché. Ça veut dire poisson, ça l'a caché. Donc les poissons c'est l'antimor à bombe. Mais on est nous sur incorruptibilité. Colombe a reposé en tant. Il y a un moment où Jésus-Christ parmi les miracles à ça. C'est pourquoi Jésus-Christ est parmi les miracles. À ça peine miracle et à pain n'a poisson. Il avait aussi fait les miracles du pain et du poisson. Parce que pain c'est la parole. Oui, t'es libre. Les poissons c'est l'incorruptibilité. La cibille c'est ça, Colombe a reposé en tant. Batonion se basa dans ma parole. Donc tous les gens ont la parole. Tout le monde a ça dans le banaï. Dans Montonion se basa dans la parole. Mais il y a les paroles qui ont la vie éternelle. Les paroles incorruptibles. Pour la tête. Les paroles qui ont la victoire, c'est ça, pain poisson. Il y a mon élite par la mise. C'est ça, pain poisson. Il y a mon élite par la mise. Comment est-ce qu'on intervenir avec le feu? Le corps a y est bien à mort. Parce qu'à l'heure qu'il y a l'élite 12, verset 49, 50. Parce qu'il avait une amie. 12, il devait être baptisé par le feu. Le Seigneur a dit qu'il n'y a pas de baptisé. C'est lui dans les pains et les poissons. Il est venu par l'ambition. Mais alors, qui? Mais il avait dit prenez-en et mangez. Mais bon, soyez à mon pépolia. C'est ça le moment, Jean 21. Il y a mon nom, à ta bonne salade qui n'a jamais fait. Mais je ne suis pas dans ce sujet. Mais la vie, on n'a pas de salade. Je réponds seulement pour que. Et Zakana, on a boutou. Il y a d'abord une nuit. Après, monte au mot que il y a. Après, il y a un feu. N'allez pas le courant. Avec un pinceau. Mais sûr, il y a un baptême de feu. Mais c'est la parole de son baptême. Les pinceaux, c'est les corps. C'est lui-même. Nous autres, il y a mon goyeux. Mais après ça, il y a un ciment. Après, c'est lui, lui, son goyeux. Mais il va nous servir, c'est pas la routine. Mais celui de goyeux. Et si nous le mangeons, mais. Dans un autre. Il faut te présenter notre pêche miraculeuse. Et c'est pourquoi ça a un gros poisson. C'est pourquoi ce sont des gros poissons dans la pêche qui arrivent. C'est un gros poisson, il faut voir. Ma vie s'amène. Au moins, hein. Vous voyez, il faut qu'on y va aussi la parole. Tu dois savoir ce que c'est la parole de Dieu. Moi, un Zambé. Un enfant de Dieu. Zambé. Après ça, il y a un pouvoir. Le Seigneur lui donne le pouvoir. Donc, il faut croire la parole. À celui qui croit la parole. Il leur a donné le pouvoir. Après, si maman, Gouyato. Donc, pouvoir, déjà, c'est grand. Donc, Gouyato, c'est la monnaie. Cet texte-là veut dire ce qu'Israël a déterminé 28 versets premiers. Cet texte-là, c'est qu'il avait dit à Israël a déterminé 28 premiers. Et ceux qui vont obéir à la parole, si vous obéissez à la parole, vous êtes la supérieure, c'est toutes les nations, vous êtes l'icône. Vous seriez la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous êtes là, vous suivez dans c'est ça, les gros là. Il y a mon ennemi ici, il y a mon ennemi. Vous êtes là, moi. Ils ont des bâtons en vie. Non, ce sont des fils de Dieu. Baoyo baie, ceux-là qui sont venus. Madame Adalibé. Les fils de Zébédé. Madame Ibalé à Zébédé. Madame Ibalé. Ils
Ils étaient deux. Jean-Jacques. Yohana. Et des autres disciples de Jésus. Ils étaient au nombre de sept. Ça va? Amen. Et comment ils ont la Bible là? Il est écrit, et c'est tout dans ta Bible à toi. Ils étaient au nombre de sept. Simon Pierre l'a dit. Simon Pierre, je vais pêcher. Na koloba. Il dit, nous allons aussi avec toi. Nous sommes des pénailles au nom. Donc, pensez que la bière. Donc la pensée venait de Pierre. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils prirent rien. Et là, c'est tout un temps. Donc, pour toi, les amis, tant que mon bimba. Tout un temps. Tant que mon bimba dans les sacrés. La corruption régnait. Donc, il n'y avait pas la victoire sur la mort. Ah! Parce que le poisson était aussi victoire sur la mort. Oui, et puis c'est tant que ça tapait mon long qui Nicolas. Donc quand vous en passez, lorsque le Seigneur t'a dit, comme il pète, tu ne viens qu'une portion de lui. Alors dis-moi à vous croire. Il dit celui qui croira. Pour continuer, en continuant la lecture, le matin est venu. Jésus se trouva sur les rivages. Jésus sera qui voit la pépé les matins. Les choses de Dieu sont très simples. On avait dit à Abraham, dans la salle d'âme, regarde le sang de la main. Quelle sera ta pensée? Au moment où vous allez quitter, Jésus s'est trouvé si que ça. C'est Dieu qui est venu en Israël. Vous savez quoi, il y a Israël. Vous avez permis de Yaman. Votre Dieu viendra lui-même. Vous avez la Bible. Et vous sauverez. Vous avez dit qu'il s'est rencontré. Ça l'a dit permis de Yaman. Ils sont arrivés. Vous avez dit qu'il y a un Israël en top. Il a dit, enfin, n'avez-vous rien à manger? Vous allez de l'autre côté à Colin. Il lui répondit, non. Il a dit, jetez le filet à côté droit. Donc c'est la puissance, c'est l'autorité. Il le jetait donc. Et il ne pouvait plus les retirer. À cause de la grande quantité de poissons. Alors ils étaient d'abord au scambiso. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est très merveilleux. Pierre d'abord a Zaki et les mots. D'abord Pierre était le signe. Et comment la chute d'Adam. C'est depuis la chute d'Adam. La Bible est là. Donc l'événement était déjà parti. Mais le Seigneur a hier. Mais lorsque le Seigneur est venu, il faut là que il doit s'habiller. Assoit la vérité. Il puisse aussi avoir la vérité. C'est la sainteté. Il y a combien de cadres? Nous allons en parler. Amen. Mais c'est le Seigneur. Et ça dit colo. Bible le dit. La Bible dit. C'est le Seigneur. Et Simon Pierre. Et Simon dès qu'il lui entendit que c'était le Seigneur. Mis son vêtement. À la tête qui est la page. Que Dieu soit loué. Ça fait à vous, maman. Parce que l'arrivée du Seigneur est là, c'est sa capisson. Et que vous voyez, encore le pêche sa capisson la main. Donc pêche-moi dans le tout. Donc cette pêche pendant la Pierre, elle a pas ça la voix à la bien. Et Pierre le faisait tout en étant nu. Alors tu vas te mettre dans le monde pour annoncer l'évangile. Maintenant, mouvement de Salomon.
Maintenant, les mouvements ne se fait qu'avec Jean, ma pierre. Et les autres disciples vinrent avec la barque. Les autres disciples, c'est là, mais les cinq. Donc, les autres disciples, les cinq, vinrent avec la barque. Voyez, dans la barque. Nous lisons ça. Bible les athées pour savoir ce qu'ils disent dans la grammaire. Donc cette Bible, c'est pas ma dissertation. Je tenais le maximum dans les épreuves. Bible les amours. Ce n'est pas ça de Bible, c'est l'esprit de Dieu. Bible, c'est l'esprit de Dieu. Les cinq tirèrent. Tirant le filet, plein de poissons. Mais il était éloigné de terre que d'environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, donc c'est eux qui étaient descendus. Ils n'ont pas fait sortir le voilà, pierre. La pierre est déjà dans la mer. Ils virent là le charbon allumé. Du poisson de scie et du pain. Mais lui, ça, ça parlait de l'œuvre de la poisson. Jésus l'a dit. Apportez les poissons que vous venez de prendre. Dans la maison. Simon Pierre monta dans la barque. Simon Pierre monta dans la barque. Et Simon était là-bas. Simon Pierre monta de la barque. Et tira à terre les filets. Il y a ben là qui n'a belé mon yam. C'est ça l'article 15. Il y a mon yam de 15. Dieu a choisi parmi vous. Vous avez appris quand tu vas te dire un nom. Monte mon corps. Tira les filets. A ben là qui mon yam. Il tira les filets pleins de 150, c'est un maintenant. De 153 poissons. Oui, c'est grand poisson. Il y a miné de 153. Et quand il y a eu tant, oui. Les filets ne se rompit point. Le cola est à terre pour cela qui est belé, mais mon yam n'est pas sous ta guise. Ministère est le roi d'Athé. Le ministère ne quitte jamais l'homme. Oui, mon gros ministère, mon gros. Oui, le ministère a quitté. La commune en a est grave. Et je deviens grand. Père, la soupe est grande et ta grave. Et je meurs aussi grand commerçant. Non, prophète. Non, c'est pas ça, frère. Dieu ne serait pas point de ce que ça va bon, on a quitté la litabassa du monde. Le temps que Dieu a donné, le cabot a fait assez de pantacana. C'est ça le filet, et c'est là qui rompit. Il y a bon de mon yamo et tatana qui terre. Il faut ne rien pas brûler. Mais tu dois savoir si les gros poissons, ce sont ces peuples de Dieu. Les amis, ils ont terre en terre. Parce que Maza, grand en pouvoir, oui, Mazali, mon nez, il a en autorité, on a beaucoup. Et le Koana est sali. Et cela s'est passé parce que le Seigneur a ce fait là qui présentait le feu et les poissons. Parce qu'il n'avait plus au Seigneur de présenter le feu et le poisson. C'est tout un enseignement. Les amis, il a qui se fait. Oui, ça va des boulevards dans le monde. Ça, c'est seulement un boulevard que nous ouvrons. Bon, on comprendre que ceux qui maintenant, si on est dans le but, maintenant, on compte à 153 poissons. Tu veux maintenant prêcher 153 poissons. Et on va dire que Moïse est 120. Il ne va pas dire que Moïse est 120. Jésus 33. Alors Jésus 33. Ah, 120 plus 33. Faut que tu te la bien comme ça. Vous devez abandonner certaines choses. Ah, voilà le mouvement, on est les amis. Il faut suivre d'abord le mouvement tel qu'il est. De comprendre les ambassades de la mine. Alors tu vas comprendre de quoi les Seigneurs. Maintenant, pour expliquer en gros maintenant. Maintenant, il vient d'expliquer. Pas Pierre. Chez Pierre. Bébé, Samuel. Il est en train de parler la manière où tu vas croire ma parole. Il parlait de comment les gens croient à la parole. Il est pas comment incorruptible. Mais pas colomba liwa. Donc le péché colomba. Et le péché sera ôté. C'est ça le poisson. Il y a un monde de la mise. Et le fait que le Seigneur veut s'il son pouvoir. Et le fait que le Seigneur nous a donné le pouvoir. On s'apprend. C'est pourquoi nous sommes grands. Nous sommes tambour la Nicolas et la mini-mognance. Nous marchons sur tous les esprits. Nicolas et ma prochaine.
plus proche du monde des ténèbres. Au-dessus de tout. Nous allons l'icône de l'alliance. Et quand le Seigneur a prescrit sur cette autorité, et lorsque le Seigneur nous a donné cette autorité, cette grâce, Ngolo Owana, Matthieu 16, c'est là que nous avons dit. Matthieu 16, là où nous étions. Pierre, dans ma limite, le monde va dire Pierre, mais avant la cause de la Pierre n'a jamais. Et comme j'avais vu Pierre, je retourne dans chez Pierre. Donc, parce qu'il fallait qu'il y ait une image. Il fallait que cela ne sorte que de sa bouche. Alors, il y a le Christ. Vous avez Christ. Le Fils du Dieu vivant. Moi, je suis un peu à bon moment. Le Seigneur, il y a le Simon, fils de Jonas. Vous avez mon Seigneur aussi, mon Imana. Ah, si c'est rock. Oui, t'es Nicolas, il parle. Mais rock là. Il parle dans Sakarito. On avait vu dans Sakarito. Oui, ça a 7 yeux. Il y a 7 yeux dessus. C'est rock là. Il parle dans la monnaie. Parce que rock là, il y a un des années à 7 yeux. Parce que c'est ce qu'il parle dans les années à 1600. J'ai pas tiré mon église. Nicolas, il parle dans 1600. On est là pour quelques années. L'église, on est là, on les a présentés comme 7 églises. Et c'est cette église là qui est présentée comme les 7 églises. Maintenant, le Dieu. Qui sont lui qui doit rester les deux. Et ce qui est mon bon côté, c'est à la côté. C'est Christ. Les amis Christ. C'est lui les rochers. Les amis de l'Iban à mon aide. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a un sa propre parole. Et c'est lui qui donne sa propre parole. Il y a une la foi. Il y a une condition à la. Or, à comparer la foi à un grain de sénévé. À tel ici. Donc les grains et bombes et renferme tout l'arbre qui va sortir. Donc quand nous avons la foi, lorsque tu vois la foi, on va dire que ne dis pas, il va dire un, la foi, deux, la terre. Non, foi et bombe, ça c'est rocher là. La foi elle-même c'est rocher. Ah, ça c'est. Donc elle a sept ou c'est sept en elle-même. Où c'est Dieu. Donc tu as mis sur ça. Il faut aller dans la terre. Donc demeure parce que ça c'est rocher. Il y a un autre libanda dans le monde. Les foi ils agrèrent. De la même manière la foi est agrèrente. Les grains enferment tout l'arbre qui en sortira. Un yon se voit dans le monde. Et où t'es là dans le monde. Tout ce qui germera ne sortira que de ses grains. Tu suis attentivement. Donc il y a un autre temps, c'est que tant que nous avons la foi 7, quand tu vois la foi 7, ce qu'on t'a dit, l'élément au balon, on a deux pierres. Hein? En comptant les éléments de deux pierres. Hein? Quand vous avez un élément, on le dit que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La vérité. Au salamaka, si on se prend que vous avez un peu de mal à vivre, vous avez un peu de mal. Le nez qui est malade, vous avez un peu de mal. Après, voilà. Merci. On m'appelle à 7. Jusqu'à ce que tu ne vas pas venir à 7. Quand on m'a mis 7, tu commences avec 7. Il faut vous casser. Donc, on le n'a dit. C'est que tu avais sémé. Il y a un nouveau bouquin. C'est ce que tu vas moissonner à la fin. Amen. Et on a le chiffre 7. Commence avec le chiffre 7. Le Christ. Oui, ça dit Christ. A dit pour manifester sa nature divine. Il a commencé à manifester sa nature divine. Grâce à son église. Dans son église. Donc, la vertu. Donc, la science. La tempérance. La piété, la patience, la charité, l'amour fraternel. L'union se soutient dans pour m'appeler la foi. Et toutes ces choses proviennent du grand appelé la foi. Il y a un autre homme qui est imité par tout le monde, va raisonner dans le même raisonnement. C'est pourquoi j'avais dit il ne faut pas imiter ceux qui ont raisonné en eux-mêmes. Avant une foi, hein. Ils ont commencé la foi 1. Après, une idée de foi, ça a une foi parfaite. Donc la foi, elle est elle-même parfaite. La perfection, c'est ça. Donc, au Kokaben, les sambos. Tu sais, elle est même 7. Elle est elle-même 7. C'est les rochers, les confondements. Et ça, il n'y a pas mon nom, les sambos. Et ça, il a 7 yeux. Qui a 7 yeux. Et ces 7 yeux, il y a mon nom, ils ont trouvé sa grâce dans cette église. Mais la mise au sambo, elle a des opés sambo, l'une à l'église, elle vient au sambo. Maintenant, dans la lecture, pour ça, il faut que nous clôturions. Maintenant, dans la lecture faite pour aller clôturer. À celui qui vaincra. Dans mon tour à colonne à part. Opé, ça y est, arbre de vie. Il lui donnera à manger de l'arbre de vie pour en vivre éternellement. Afin de vivre éternellement. Il faut qu'on y ait maquillé. Tu dois savoir bien aimé. Ton âme, arbre de vie aujourd'hui qui est Christ. Aujourd'hui nous avons l'arbre de vie qui est Jésus. Mais il faut hériter encore l'arbre de vie. Mais nous allons encore hériter un arbre de vie. Bonne année. Pourquoi? Le Seigneur a sorti la langage là, ici comme il m'allait. Le Seigneur parle du langage de deux rédemptions. Pour si qu'on a mis, on a été racheté. Dans notre âme. Mais nous attendons encore la rédemption de ces corps. Ouais, mais attendons à l'Ivoire vraiment. Là, c'est vraiment la manifestation de la victoire sur la mort. Et l'Ivoire est dominée, puis sauter. Et la mort ne nous dominera plus.
Et cette promesse, il y a arbre de vie, il y a cité la bombe. Et donc, nous avons de comprendre que, maintenant, ce qui nous aide à comprendre, les choses qu'on avait dites sur Éphèse n'est pas seulement pour Éphèse. C'est à partir de la récompense. C'est à partir de la récompense. Alors, si nous excluons ce qui concerne Éphèse, il se peut notre arbre de vie. Et nous ne recevons pas non plus l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie est une récompense même à Apocalypse 22. Alors, l'arbre de vie, c'est la récompense même dans Apocalypse 22. Pour tous ceux qui vont respecter la parole. Alors, ils recevront aussi la part dans l'arbre. On va lui l'apprendre sur les dieux. Alors, ce qu'on a dit dans l'Apocalypse, dans cette église, et si tu la mets dans cette église, pour la de vie, concernant l'arbre, on ne sait pas l'église manque. On l'a donné seulement à une seule. Et avant de se faire les écritures, nous répétons à tout moment que celui qui a les oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Éphèse n'est qu'un signe. Mais ma camarade a besoin de reprocher. Mais les choses que le Seigneur lui reproche. Et que nous aussi nous soyons parfaits. Nous devons encourager. Et les choses que le Seigneur encourage. Bisopet aussi mal. Que nous aussi nous puissions les faire. C'est lui qui sait qu'il a. Bisopet aussi les parties totales. Les choses contre lesquelles le Seigneur résiste. Nous ne sommes pas que nous sommes concernés. Par rapport à la récompense. Parce que nous savons que nous sommes concernés par rapport à la récompense. Et par sang plus et tout le sang, récompense, les amis. La récompense, c'est que. Poisson. La lisse. Donc, les incorrectibilité. Donc, au long qui dit pour la récompense. Vaincre ce corps abandonné pour aller dans la blanche. Et c'est ça la foi des saints. Il y a mon nez qu'on dit mal à la saint. Foi à saint, les amis, le coïs au monde. La foi des saints, ce n'est pas des choses visibles. Les amis, la vie éternelle. Les animaux mouillassés. Azo combattre pour l'enlèvement. Les saints combattent pour l'enlèvement. Azo combattre pour quand on a le Seigneur. Les saints combattent pour voir la face du Seigneur. Parce que son cœur, les ont brûlé. Mettez vos témoins à les amis qu'on fait. Il doit voir son Seigneur. Seigneur, la mon colonel. Amon à son époux. Et Seigneur, la mon compagne. A tout à la compagne, il y a un des aïs. Il rencontre son époux et c'est ça sa joie. Pour la mon enfant. Dieu. Et comme tu as un mobile, il faut m'y prendre. Et pour aller à la rencontre du Seigneur, tu dois te préparer. Chocolat malin, mais il va être qui rit. Il faut bien te laver toi, pour laver ton corps. Naomi a dit ce qui est. Naomi lui avait dit. Lave-toi. Chocolat. Owen de lui. Béni par toi, ma fille. Remets tes habits. Sauf qui ça vient pas dans le mot là. Comment nous voulons là? Remets tes habits. Sauf qui ça vient pas dans le mot. Donc, ne te rit à Zalina Bilama. Quand tu rit avec des vêtements. À son colis. Mais elle s'est lavée. Elle s'est lavée. La zone qui s'est. Mais elle a réuni encore ses vêtements. Donc, les autres, donc cela représente les œuvres saintes. Michel a le sang qui a été prédestiné avant. Et pour qui ça va quand on a ses combats. Donc, ce sont tes œuvres. Mais les noms, ils pourront nous donner nos balles. Mais aujourd'hui, pour la Sokola Mana, tu dois bien te laver. Par quoi la foutre. Et tu dois te rendre. On va remettre les visages. Mais on va zombie ça, il a mana yo et ça. Donc, on s'en a dit où t'es con. Tu étais un adultère. T'es comme Sokoli. Lorsque tu t'es comme le mot. Et la publicité. Oui, un zappé, t'as dit ça, il m'a foutu. Et la puissance de Dieu s'est manifestée par lui. Et puis ça, il y a le sang. Et les œufs que je suis. On ne sait pas pour qui ça vous t'a calé. Et le Seigneur avait préparé il y a longtemps. Et Dieu, maintenant. On s'en a pas aidé. Tu n'es pas un étranger. On s'en a pas aidé. 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 Et sache les œuvres que tu auras après. Et ça pour remettre la vie. Les amis qu'on sauve qui s'habille la main. C'est ça les trois versets premiers. Et ça les œuvres prédestinées dès avant la fondation du monde. Il savait au centre pour qui ça va y avoir des conquises. C'est un ami déjà que le Seigneur a préparé depuis. Les amis qui l'ont savé à mon guise en taka. Menez qu'on y a dans ta vie. Maintenant, ces événements viendront. Il parle à Ibosama. Et les mariages, les mariages. Dans cette réalité, Naomi. Je me réjouis plus de l'enseignement de Naomi. Lorsque tu iras, il ne faut pas te montrer. Mais d'aller ma colonne. Mais couche-toi à ses pieds. Mais il faut c'est là. Mais tu dois attendre. Avant d'aller ma colonne. Avant de dormir à ses pieds. Il faut dire qu'il y a un bel alan ou père. Tu vas le laisser. Il faut dire qu'il y a un bel alan ou père. Qu'il mange et qu'il boive. Parce que ceux qui n'ont pas ça, ils
Parce que si le Seigneur voit déjà, et si on compte animal, c'est fini, tu vas pas entrer dans le nom de Amen. Voir, c'est recevoir le sang de Jésus-Christ. Afin que tu obtiennes le rachat. Amen. Jacob déjà va passer et là-bas. Lorsqu'on a déjà donné le vêtement, il y a Joseph. Après le sang, Namakila, c'est pas venu dans le programme pour Asnatabala. C'est pas venu dans le programme Asnat va se marier. Parce que Makila, on les a dit Makila. En disant pour le verset, c'est pour que ça va pour payer un champion. T'as pas les Anakapon à consommer. T'as pas pour un bouc. Qu'on avait tué le bouc. Qu'on a pas sur Namakila. Là-bas, Joseph. Enfin, qu'on puisse l'appliquer dans le verset. Et son machin appelé Asnat. Et ça va pour la consommer. Et la rue, ça dit quoi si Asnat. Satan. Moi, si la haine. Donc, comme le Père recevoir les regards, comme le Père a reçu la divinité, la mort n'est plus sur nous. Donc, comme nous sommes devenus libres, affranchis du péché. Mais nous sommes esclaves de la justice. Nous sommes esclaves de la justice. J'ai lu l'écriture. Il y a Romains 6. Romains chapitre 6. Bible le dit, la Bible dit, verset 20 à 24, à 23. Verset 20 à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, verset 20, il y a Romains 6. Vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Voilà verset 21. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. En tout cas, si tu te réponds, si tu regardes ta vie passée, ça doit te faire honte, tu dois rougir. Donc, ça ne va pas te réjouir bien. Ça ne va pas te réjouir même pas une seule seconde. Au moins, là, non. Et tu vois ça qui t'aime. J'avais passé mon temps inutilement. Et c'est quelqu'un qui t'aime, on a pris sa bouche ici. Il fallait que ce temps-là, je puisse le donner à Jésus-Christ. Alors, il des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Les amis du roi. Donc, oh, il y a ce qui s'est dit à ma paix. Donc, toutes les mauvaises œuvres. Il y a pour ça la bicône. Et c'est la publicité dans les hôtels. L'emportement dans les choses sales. La fin de ces choses. C'est la mort. Tu es là en train de te livrer. Mais maintenant, parce que les lois. On a versé 22. Étant affranchi du péché. Non, il faut être seulement qui t'y a franchi. C'est là, tu ça va montrer que. Et devenu esclave de Dieu. Comment vous avez pour fruit. Vous avez là, la sainteté. Au centre. Et pour la fin. Pesuka, la vie éternelle. C'est ça là que je dis. Il y a bon été à bon. Donc la fin. Souka. Récompense pour la moutonnion sur le. A vaincre les péchés. La récompense pour tout celui qui a vaincu le péché. Et ça, l'arbre de vie, la vie. Il y a l'arbre de vie, ça dit bon, merci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et ça dit tout, Fanny. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça dit bon, merci, qu'on est sous Christ, on colle la vie. La vie éternelle, c'est l'arbre de vie. Bon, il y a assez qu'on est sous Christ. Exactement en Jésus-Christ. Exactement en Jésus Christ. Mais il faut être affranchi du péché. Parce que Seigneur, nous comme la manabou à l'issou. L'issou est à la moussicana. Et que le péché soit loin de nous. Au Seigneur, la moussant. Que tu te plaises à la Seigneur. Nous nous levons. Que le Seigneur te bénisse richement. Que le Seigneur te garde et te fasse du bien. En gourou dans par la grâce de Dieu. À ça, il y a vraiment voulu appeler ça une victoire. Qu'il te fasse du bien, tu donnes la victoire. Omi, que la vie est longue dans la carte et dans l'issou. Que tu vives vraiment la victoire sur le péché. L'issou est longue dans l'issou sur terre. Que le péché ne te gagne pas. Ose à la esclave de Dieu. Que tu sois l'esclave de la justice.
de Dieu. Parce que la fin de c'est l'arbre de vie. C'est la part d'un arbre de vie. Qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous recommandons entre les mains du Seigneur. Vous voyez, sans armée qui a bon, bah, on a bon sang tout le monde. Le Seigneur était préservé dans ta situation. À part de là, on a tiré tes bindo masumu. Il était gardé en fait que les cieux du monde ne puissent pas dévaler. Prions le Dieu de Dieu. Vous avez bon père, mon nom est puissant. Vous avez qui, mon nom est glorieux. Vous avez ici, comme on est, les appels, bien, mon Dieu, mon nom. Vous avez pour le nom du Seigneur. Salam bonu Yahweh, la vie de mon Dieu, mon rocher puissant. Mitali sana Yahweh, la vie calme, le Dieu de Dieu. Comme bon, la vie tali sana, Seigneur. Que ton nom puisse manifester, mon Dieu. Ma carte, la moto, la moto, la vie de Dieu. À la vie de chacun, mon Dieu, qui est sur sa vie. Oh, protéger, vie, la moto, la moto, Seigneur, de protéger la vie de chacun, mon Dieu, de grâce. Au protéger vie à mon corps, à mon corps, à mon corps. Protège la vie de chacun, mon Dieu. À une vie à piété. À bon mot et à mon père. Une vie à sanctification. Bon mot et à mon secourissant. Une vie à crainte de Dieu. Bon mot et à mon père, à mon père. Toute nature de l'ennemi a moi échoué. Et toute nature de l'ennemi a échoué. Ta seule grâce, oh Dieu. Nous n'avons pas encore. Et ta vie, ça m'a l'air, la vie à mon corps. Manifesté au Dieu qui est sur sa grâce. Grâce, oh Jésus. Ta grâce, Jésus-Christ. Il s'est manifesté au Dieu. Pendant celle de régner. Au bon moment des cons. À mon thème, à mon corps, à mon corps. Dans le cœur de chacun de Dieu. Que le péché est à la mentionner dès la carte de la vie. Que le péché ne soit pas mentionné par moi. Que le péché est à la mentionner dès la vie à mon frère. Que le péché ne soit pas mentionné dans la vie. La nature de la parole est régnée. Et ta droite manifeste. Et c'est manifesté à la mort, Rocher. Oui, c'est manifesté à elle aussi. Il y a ici comme on est. Dans la grande rédemption. Il y a mon nom qui m'en est puissant. Dans les grands vainqueurs puissants. Au bon moment de commencer. Préserve ma soeur. Bon moment de commencer. Préserve mon frère. Mon nom est bien à l'état de sa manière. Que ta grâce et ta puissance se manifestent. À vivre la victoire. Qu'il vive la victoire aussi. Sur les péchés. Nicolas Lissou. Bon moment de la bonheur. Que sa vie t'appartienne au Dieu. Il peut péter sur la volée, il y a un échoué. Que tout le monde déterre le chou. A suivre le volée. Que tout le suivre puisse être ôté devant lui. Et que Azala Oyo Azako se réjouit dans le Seigneur. Et qu'il soit celui qui se réjouit dans le Seigneur. La vie de la parole. Bon moyen de l'Oba. Et ça va partager. Soit son partage au Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans tout le monde Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous sommes bénis pour lui. Amen. Amen. Oui, pour la parole, oui, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te préserve afin que tu te fasses voir dans la prière. Le sang est pour tout. La prière de la nuit. Ceux qui ne se voient pas pendant le jour doivent être dans la nuit. Oui. Donc, constamment. Pour prier. Et c'est par les prières que nous aurons des solutions. C'est par les prières que nous allons changer beaucoup de choses. Que la paix du Seigneur soit le partage de chacun.